Vous le reconnaissez, c'est Jean-Charles de Castelbajac qui nous reçoit très très gentiment sur backstage juste avant le défilé. Jean-Charles, un petit mot sur l'univers que vous allez nous présenter au niveau de ce défilé. L'univers, il va parler de lui-même dans les images. D'accord. C'est simplement une installation avec un décor, avec un groupe que j'aime beaucoup, c'est le Man Like Me, et je raconte mes nouvelles aventures. Quoi. C'est comme l'idée d'un super-héros qui se balade et qui raconte de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, que vous allez prendre comme ça une grande bouffée d'air frais pour 6 mois. Et voilà, c'est JC in the Sky with Diamond. Some movement
movement of head, hands and feet, now we must engage. Oh my gosh, I really couldn't give a toss. Couldn't care about that music video. Don't tell me to listen to the radio. Crap on TV. Do you freak, 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 freak out like me? Hop, hop, bop, bop, bop. Could you give me that? Did you get that? Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Could you give me that? Did you get that? Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Could you give me that? Did you get that? Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Hop! Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Could you give me that? Did you get that? Did I set that? Did I write that? Would you write back if you like that? It's nice that I'll know that you like that. Ce qu'il pense de ce merveilleux défilé de Jean-Charles de Castelbajac. C'était un défilé d'autant plus drôle que c'était plein d'humour comme d'habitude avec les créations de Jean-Charles. La robe de mariée entièrement en cheveux, fallait le faire. On avait l'impression d'une créature sortie de la famille Adams, mais nettement plus gironde. Et puis voilà tous ces détournements de Disney. Moi j'ai vu deux costumes pour moi là-dedans, je peux vous dire. Un en Lego et un en gros poids. Clairement. Et puis j'adore. C'est toujours aussi frais, toujours aussi ludique, toujours aussi à la pointe, ultra moderne. Il y a une robe t-shirt avec la petite capuche en plastique transparent qui est une idée géniale. C'est le premier à le faire, ça va se décliner pendant 20 ans maintenant cette affaire. Et puis on a eu une petite cerise sur le gâteau, la présence de Borat. Oui. Ben ouais, on l'a vu dans son personnage de Bruno, hein, qui foutait la merde de l'autre côté et qui rentrait, sorti par tous les coins du défilé, rendant la sécurité absolument hystérique. Il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau comme d'habitude. Ben c'est très bien, ça fera une notoriété internationale pour Monsieur de Castelbajac.